Yo les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rock Story. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez mieux que notre planète qui, elle, bah, c'est bof, hein. Bon bref, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler musique et écologie. Je vous ai fait une sélection de 6 artistes différents, d'univers complètement différents, dans des styles complètement différents et d'époques complètement différentes. Et vous allez voir que la musique et l'écologie, bah, c'est un sujet qui date pas d'hier. Je vous emmène donc dans ce voyage musical afin qu'on prenne tous conscience qu'il est grand temps de changer les choses. C'est y part, générique. Le 9e album studio des Beatles sort le 22 novembre 1968 et le nom de l'album, roulement de tambour, The Beatles. Personne ne va appeler cet album comme ça, tout le monde va l'appeler le White Album, dû à la pochette d'un blanc immaculé. Mais plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur? Comprenant deux disques, c'est sur ce deuxième, sur la face 3, qu'on va trouver un morceau intitulé Mother's Nature Song. Ce morceau est un véritable psaume à la nature qui a commencé à être composé par McCartney alors qu'il était en séjour en Inde, au pied de l'Himalaya. C'est de retour en Angleterre, dans la maison de son père à Liverpool, que McCartney finira l'écriture et la composition de ce titre. Dans cette chanson, le Beatles va faire l'apologie de la nature et surtout de la beauté qu'elle représente. En effet, les paroles racontent l'histoire d'un garçon de la campagne qui s'émerveille devant la beauté de la nature, de ses éléments comme le vent, le soleil, et de ses paysages comme la montagne, par exemple. Okay, the sun is shining. Là, on passe vraiment un cap avec le troisième album studio de Neil Young. En effet, le chanteur de folk américano-canadien avec son After the Gold Rush et son titre éponyme va taper du poing sur la table. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Si je continue, je sais que je vais taper sur la table. Les paroles de ce titre décrivent la fin de notre planète et du monde tel que nous l'avons connu. Les hommes, après avoir saccagé notre planète et utilisé toutes les ressources naturelles, sont dans l'obligation de construire une sorte d'arche de Noé spatiale afin que certains élus puissent partir vers un nouveau monde afin de faire perdurer l'humanité. It begins. Cette chanson, c'est une véritable satire en faveur de l'écologie. Lorsque Neil Young sort son album, nous sommes en août 1970. C'est le 21 août 1987 que sort le troisième album studio du groupe de rock australien Midnight Oil, Diesel and Dust. Nos Australiens sont assez connus sur la scène musicale internationale comme étant des grands pacifistes, surtout militants écologistes et anti-nucléaires. Vous savez, si vous voulez mon avis vraiment personnel, profond, je crois qu'une fois de plus on est en train de chercher à discréditer le nucléaire. C'est en ouverture de cet album Diesel and Dust qu'on va retrouver le morceau le plus connu de Midnight Oil, Beds Are Burning. Bien que le thème principal de cette chanson soit avant tout politique, puisque ça raconte comment une tribu aborigène s'est fait chasser de ses terres afin qu'on puisse exploiter ses richesses, mais pas seulement parce que le groupe traite aussi de l'impact qu'a l'activité humaine d'un point de vue écologique sur notre planète. C'est surtout ce deuxième point qui va donc rendre le titre mondialement connu. D'ailleurs, il est super compliqué de ne pas associer Beds Are Burning à la forêt amazonienne. Maintenant, je vais vous parler d'un groupe rock que j'affectionne tout particulièrement et je suis super content. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade en voiture? Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Nous sommes le 18 avril 1989 lorsque les extraterrestres des Pixies nous sortent leur deuxième album, Doolittle. Bon, on va pas se mentir, hein, les Pixies, c'est pas le groupe le plus joyeux du monde, hein, on s'écoute pas ça pour se fondre la poire, c'est souvent un mélange de surréalisme, de réflexion sur la vie, sur la mort, de références bibliques, ça peut même aller sur des sujets comme la mutilation. Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser. Enfin bon, bref, un truc bien barré. De ce capharnaüm musical que représente Doolittle va sortir un single,
Monkey Gone to Heaven. Là, on n'a pas besoin de passer par 50 chemins, c'est le gros avantage avec ce groupe, ça va droit au but. La chanson traite de la volonté générale de l'humanité à vouloir détruire son habitat naturel, à savoir notre planète, sans se rendre compte que cela va conduire inéluctablement à sa fin. Assassin est un collectif de hip-hop créé en 1985 et en plus... ils sont français. Il faudra quand même attendre 1992 pour voir sortir leur premier album, le futur, que nous réserve-t-il? C'est sur cette galette, à la 8ème piste, que nous retrouvons un morceau qui se nomme L'écologie, sauvons la planète. Véritable signal d'alerte sur les dégâts que peuvent provoquer l'activité humaine à l'encontre de notre planète, ici, Assassin va aborder des sujets tels que les essais nucléaires, la pollution de l'atmosphère ou encore la pollution des océans. Faut savoir qu'Assassin n'est pas les seuls à avoir traité le sujet de l'écologie dans le rap. Pour les plus connus, IAM ou encore NTM vont s'approprier le sujet. Nous finissons ce tour d'horizon par le groupe Gojira, un groupe de death metal progressif. Eux aussi sont français et sont connus pour avoir une sensibilité écologiste et spirituelle, et surtout ils sont très proches de l'association Sea Shepherd. Le 27 avril 2005 sort un de mes albums préférés, From Mars to Sirius. Oh, le mec, il a la guitare, non, mais il crache. Sujet récurrent chez Gojira, cet album aborde les sujets tels que la vie, la mort et pas mal de sujets environnementaux comme le réchauffement climatique ou la pollution des océans. From Mars to Sirius, c'est surtout l'histoire d'une planète morte qui revient doucement à la vie, d'une quête galactique et d'un message pacifiste. D'ailleurs, sur ce dernier point, le nom de l'album, From Mars to Sirius, serait une métaphore. From Mars, de la guerre. Tout Sirius à la paix. Le design même de la pochette a une sensibilité écologiste avec la préservation des baleines qui sont chères aux membres de Gojira ainsi que la protection des océans. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ouh là là, oui, je sais, j'aurais pu citer plein d'autres groupes. Moi j'ai choisi ces 6 artistes-là parce que c'est vraiment ces 6 artistes-là qui me parlaient le plus au niveau de l'écologie. Enfin bon bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de la planète, du coup. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, entraînez-vous bien, écoutez de la bonne musique et tchuss !